soit de la Nintendo. Oui, avec EMX. Je suis pas mort. Je reviendrai. C'est Corradin Retro et aujourd'hui on se retrouve avec Solda Nintendo. Très bien, pour le tant attendu et nouvel épisode de Retro Discussion avec cette intro qui déchire trop sa race. On va pas montrer le vrai joujou, hein. Celui qui nous a permis de faire cette superbe intro. Eh oui, bon alors du coup les amis, bienvenue dans cet épisode de rétro-discussion sur la science-fiction tant attendue avec un nouveau décor les amis. Et là, explosion dans les commentaires, non c'est pas vrai. La rétro-tech. La rétro-tech qui contient tous mes jeux et tous mes films, enfin presque tous mes films. Non, tous mes films, non. Donc à ton anniversaire, la petite lampe que vous voyez là en forme de planète. Qui nous permet d'avoir un petit peu d'éclairage sur notre tête, qui ne vous sert pas à grand chose d'ailleurs. Mais voilà, on a la PlayStation. Et là, celle que je ne vous ai encore jamais montré sur la chaîne, je vous l'avais montré dans d'autres chaînes, mais oh, il y a eu un bug. Mais voilà, là voilà la PlayStation, voilà, qui s'ouvre bien sûr, que je vous montrerai peut-être dans une vidéo setup décor, peut-être un jour, peut-être. Et on a Turbo Racing que vous voyez ici, c'est un jeu de NES, voilà, c'est une cartouche de NES qu'on a acheté à peu près 5€. Voilà, donc bienvenue dans cet épisode de rétro discussion sur la science-fiction. Et les amis, on est particulièrement fier de cette intro. Donc voilà, c'est moi qui a eu l'idée, mais Jérémy l'a perfectionné. C'est lui qui a eu l'idée de faire comme s'il écoutait la musique que vous entendez. Et puis le générique, la musique de voilà, Terminator version métal que j'ai trouvé. Voilà, c'est ça. Qui nous a permis de faire le super générique. Voilà, et donc du coup, oui, c'est moi qui viens de faire ça. Et donc du coup, on est là avec cette superbe intro de rétro-discussion. Et donc le rétro-discussion va pouvoir débuter. Enfin. Donc, la science-fiction, qu'est-ce que c'est? Alors, est-ce que Jérémy, tu pourrais expliquer en quelques mots ce que c'est que la science-fiction? Le principe de la science-fiction, bah en fait, c'est le fait de raconter une histoire fictive. Par le biais de la science, par exemple les retours, le voyage dans le temps, la téléportation, voilà, pas mal de choses. Là par exemple dans Terminator, si on prend l'exemple de Terminator, c'est les voyages dans le temps mais aussi des machines qui se révoltent contre les humains. Oui voilà, c'est à peu près ça. Donc ouais, c'est comme Jérémy l'a dit, c'est un univers fictif qui pourra un jour peut-être être rattrapé par la réalité. Je prends l'exemple de Elysium par exemple. Donc Elysium si vous voulez, c'est un film de science-fiction. Avec la Terre qui est complètement polluée et les riches en fait, sont partis sur une station orbitale dans l'espace pour vivre sans pollution et voilà. Ou même Wally, hein. Voilà, même et Wally. Les pauvres ils restent sur Terre parce qu'ils n'ont pas le moyen de se payer un voyage sur Elysium. Voilà, et c'est super bien foutu. Et selon moi, peut-être qu'un jour ce film rattrapera. La réalité rattrapera le film. Voilà. Même Wally, hein. De toute façon Wally a un peu le même pitch que Elysium. Oui, Wally c'est le Pixar, vous l'avez déjà vu je pense, c'est le meilleur de Pixar Nouvelle G. Alors je parle pas, en fait quand je parle Pixar Nouvelle G, moi je dis c'est entre 2000 et 2010. Non, depuis le rachat par Disney, quoi, entre 2006 et 2010. Ouais voilà, à peu près ça, entre 2006 et 2010, parce que Wally il est de quelle année? 2008. Voilà, merci. Parce que je suis pas les dates en tête, moi les dates et... Voilà, donc moi la science-fiction, moi j'adore, et en plus en ce moment là je me suis regardé plein de films de science-fiction. Hier après-midi je me suis fait Hunger Games le premier, et hier soir je me suis fait le deuxième Divergent,
Et ben, hier soir, le deuxième Divergent, je me suis éclaté. Il est excellent le film. C'est un excellent film. On s'est fait les deux Terminators. On s'est fait les deux Terminators juste avant. Qui sont géniaux. Qui sont géniaux. Puis j'ai acheté à 2€ là. D'occasion. J'ai acheté. J'ai acheté Terminator 3, Rise of Machina. C'est Terminator 3, le soulèvement des machines. Qui est encore avec Schwarzenegger. Il me semble que le 4 il y est plus, mais je voudrais pas m'avancer, je dis pas de conneries, je voudrais pas dire de conneries. Et voilà. Et j'espère que. Moi j'ai pas encore vu Dark Fate, mais je vais le voir bientôt. Enfin, quand j'aurai vu le 4-5, 3-4-5, j'irai voir Dark Fate. Parce que j'ai pas encore vu Terminator 3, j'irai voir Dark Fate. Et j'espère qu'il va être bien. Donc, on va parler plus approfondi de Terminator. Donc, Terminator, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est interdit aux enfants parce que c'est assez violent quand même, hein, on va pas se cacher. Le 2 surtout. Le 2 est assez violent, oui. Donc, si vous voulez, le premier, en gros, c'est c'est Sarah Connor qui habite en 84. Dans le futur, en 2028, c'est la guerre. En 2029. J'ai dit comment? 2028. Oui, non, c'est dans le 2, 2029. Alors le premier, c'est 2028. C'est la guerre et John Connor, il est dans le futur, c'est le leader de la rébellion. Donc du coup, un Terminator qui est envoyé par Skynet. Donc les Terminators, c'est des grosses machines créées par Skynet, enfin contrôlées par Skynet. Un programme informatique créé en 1997. Ouais, c'est ça. Et donc en 97, c'est le jugement dernier, c'est l'apocalypse, qu'en gros, c'est la grande guerre qu'il y a eu, qui a déclenché la guerre contre les humains. Et donc, John Connor, selon les Terminators, John Connor doit mourir pour pas qu'il y ait de guerre. Donc, en gros, le Terminator, donc le T-800, qui est incarné en peau humaine par Arnold Schwarzenegger, voilà, le fameux acteur qui n'est pas américain, hein, au passage. Autrichien, il est. Merci. Parce qu'en fait, il a été choisi parce qu'il était champion de bodybuilding. Bodybuilding, c'est les compétitions de gonflettes. Donc du coup, il est envoyé en 84 pour tuer Sarah Connor pour pas que John Connor naisse. Voilà. Sauf qu'il fallait bien protéger Sarah Connor. Et donc c'est pour ça que le père de John, qui est en 2028, il est renvoyé. Et c'est John qui l'envoie dans le passé pour sauver sa mère. Et attends, c'est pas tout. En 84, Tyrese, donc qui est le père de John, et Sarah vont baiser, qui vont donner naissance à John. Donc en gros, si jamais Clarice n'avait pas été envoyé dans le passé, John Connor n'aurait pas existé. Donc il suffit juste de tuer aussi Clarice dans le futur. Excellent. Ils sont profonds les Terminators, hein. Ouais, c'est profond. Le 2 est encore mieux. Ah, le 2, ouais, le 2, il vaut le coup. Parce que là, du coup, Skynet envoie un deuxième Terminator. Qui est le T-1000 cette fois-ci, qui est un Terminator de métal liquide. Qui est envoyé, du coup, dans le passé pour tuer John Connor quand il était plus jeune. Quand il était, je veux dire, enfant, genre à 11 ans à peu près. Voilà, c'est ça. Et le T-800, joué par Arnold Schwarzenegger, a été reprogrammé dans le futur par John Connor. Voilà, pour être renvoyé dans le passé pour pouvoir protéger son lui du passé. Ouais, c'est compliqué, regardez-le, c'est compliqué à comprendre. Mais en tout cas, ça reste des excellents films. Ils sont pas spécialement gros, ils sont juste excellents, quoi. Ah, la scène dans le commissariat. I'll be back. Non. Genre, les gens, on dit, I'll be back. Juste, I'll be back. Voilà. C'est pas I will be back, c'est pas I'll be back, c'est be back. I'll be back. Voilà. Simple. Je reviendrai. Voilà. Oui, on va vous raconter la scène dans le commissariat. C'est dans le premier, c'est genre en gros, c'est le T-800 qui va au commissariat pour aller voir Sarah Connor, qui a pas été attrapé par les flics, mais qui essaie de se faire protéger par les flics, voilà. Et t'as le Terminator qui va au commissariat, puis qui fait je suis un ami de Sarah Connor, je peux la voir. Et puis le commissariat lui dit non. Et puis il fait je reviendrai. Puis deux secondes après, il vient avec la voiture, il défonce le. Il défonce l'accueil. Ouais, c'est très bien foutu. Voilà. On va passer au film suivant. Retour vers le futur. Yes, c'est bien ça, j'attendais que tu le dises. Retour vers le futur. La série culte des années 80. C'est une saga. Saga des années 80. Donc c'est une série de films, quoi. Il y a trois films. Trois films. Trois films. Et peut-être
un quatrième. Si vous avez vu le trailer sur YouTube et l'excitation qu'on a eu, ah bah oui, il y a 3-4 ans, je crois, c'était 2016-2017. Ouais, mais c'est un fake. Une grosse excitation, je crois, sur c'était sur YouTube et sur Twitter, il me semblait. Il me semble qu'il y a eu un gars, il a leaké une sortie de Retour vers le futur 4, mais je crois que ça n'a jamais abouti, par la simple bonne raison, je sais plus. Voilà, donc Retour vers le futur, mais vous ne pouvez pas connaître. Vous êtes obligé de connaître Retour vers le futur. C'est culte des années 80, oui, voilà, très bien. Hein. Le premier étant sorti en 85, le 2 en 88. Le premier est sorti en 85, le 2 est sorti en 89 et le 3 est sorti en 90. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, pour l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, ça parle d'un jeune garçon, Marty McFly, joué par Michael J. Fox. Le pauvre, il a la maladie de Parkinson aujourd'hui, l'acteur. Donc voilà, Michael J. Fox. Donc, Marty, il connaît le Dr. Brown. Dr. Brown a inventé... Dr. Brown, c'est un inventeur. Il a voyagé dans le temps, autant voyager à bord d'une voiture qui a de la gueule. Vous êtes défoncé. Oui, bien sûr. Il faut du sirop de pêche. Voilà, ça c'est beaucoup de répliques de... D'YTP. C'est la simplicité même. Bref. Donc. Donc, Marty va connaître le... Enfin, connaît le Doc, qui est un inventeur pas fou, mais voilà. Il a inventé une machine à voyager dans le temps. Marty pique cette machine à voyager dans le temps pour se retrouver en 55, là où il va rencontrer ses parents jeunes avant que lui-même y naisse. Et il va tout faire pour qu'ils sortent ensemble parce qu'il a fait une gaffe et que si ses parents ne baissent pas ensemble, lui il n'existera jamais. Parce que sa mère a fâché sur lui en fait. D'ailleurs, c'est pour ça que Disney a refusé le. Ouais, parce que du coup, Robert Zemeckis l'avait proposé à Disney. Non, c'est Bob Gale et Robert Zemeckis, s'il oui. te plaît. Donc en gros, ils n'arrivaient pas à trouver de producteur et quand ils sont allés voir à Disney. Quand ils sont allés voir à Disney, ils leur ont dit oui, non, ça ressemble trop à un inceste, que la mère tombe amoureuse de son fils, ça va pas. Donc du coup, ils ont décidé de. Bah, ils ont proposé ça à Universal. Oui, voilà, ils ont proposé ça à Universal et Universal a décidé de produire le film. Voilà. Donc ça, c'est la petite anecdote de Disney qui n'a pas voulu. Il a dit, oui, bon, ça ressemble trop à un inceste. Et toi, qu'est-ce que tu penses de Retour vers le futur? Oh bah, moi, je trouve que c'est un... Moi, c'est une saga que j'aime beaucoup. Ouais, moi c'est aussi. Ma saga de science-fiction préférée, voilà. Ah ouais. Mon préféré, moi, ça reste le 3. Parce que j'aime beaucoup côté western. Moi, j'ai pas une saga préférée, moi. Moi, c'est plusieurs sagas qui sont, pour moi, plusieurs sagas de films qui sont pour moi des cultes pour moi. J'ai Terminator, Divergent, Hunger Games... j'en ai d'autres. Moi j'adore aussi. Star Wars, j'aime bien, mais c'est pas mon truc. Moi, mon préféré, ouais, c'est pas le Retour à le futur. Parce que j'aime beaucoup ce côté hommage au western avec Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort, moi le mets. Ouais, ça c'est bien. Alors, ouais, c'est vrai que le 3 il est bien, parce que celui que moi, c'est celui que j'aime le moins. Et celui que je préfère, c'est le 2 quand même. Avec quand ils sont dans le futur. Ah ouais, oui. Avec les chaussures. Ah mais c'est pas ça. Ouais voilà. Surtout quand ils retournent dans le passé chercher l'almanach, c'est le meilleur quoi. C'est tellement c'est bien foutu quand même. Les voyages dans le temps et tout ça, on sait très bien que si ça existe un jour, ça pourrait être très dangereux. Donc voilà. Déjà Terminator le fait assez bien, l'expliquer. Retour à le futur le fait encore mieux. Voilà. T'as autre chose à rajouter sur... Non, j'ai rien d'autre à rajouter sur... D'accord. Film suivant. Quand je dis clap, c'est censé couper. Non, ça marche pas. Bon, on y va. Voilà. Vous n'avez rien vu. Sarah Connor. Non, moi c'est Jérémy Dimuch. Sarah Connor, elle habite en face. Très belle imitation. Bref, on en revient à nous. Revenons à le mouton. Alors, du coup, troisième film. C'était quoi déjà qu'on voulait parler de quoi comme troisième film? Je sais pas. Je sais pas. Ah oui, c'est vrai, Hunger Games. Alors, ouais, je peux pas parler parce que je connais rien. Et bah très bien, c'est pas grave, c'est moi qui vais parler pour toi.
Hunger Games, c'est excellent, ça fait partie de la science-fiction, oui. Bon, alors, pour l'histoire, Hunger Games, c'est... le jeu de la fin. Oui, le jeu de la fin, bon, oui. Bon, jusque-là, voilà. Excuse-moi. C'est comme si tu jouais au Monopoly, puis quand tu perds de l'argent, tu en perds vraiment de l'argent, pour de vrai. Bah, je crois qu'il y a des gens qui ont commis leur fortune quand ils jouent au Monopoly, puis qu'il y en a qui sont devenus riches, d'autres qui sont devenus... Dans un épisode de... Bon, je sais que cette série est nulle, mais dans un épisode de... De roi Julien, Julian, là, l'espèce. Ah, le machin sur Madagascar, là. Ouais. Ouais, bah, c'est la quatrième Madagascar qui va sortir d'ailleurs. Hors sujet, oui, je sais. Ah, intéressant. C'est, bon, c'est voilà. Un préquel. Voilà, ça nous fait un. Ah, c'est un préquel? Oui, en plus. Ah, dommage. Moi, j'aime Madagascar. Moi, j'aime pas. Enfin, j'aime que le 3. Enfin, bref, hors sujet. Bref, oui, bon, bref. Alors, Hunger Games, ça se passe dans le futur, enfin, dans le futur un petit peu incertain. Dans en fait, c'est dans un monde où les c'est divisé en 12 districts. Donc les districts 1, ils sont ceux des riches, et les districts 12, ceux des pauvres. Et donc en gros, le Capitole, qui est un peu la capitale de tout ce monde-là, organise chaque année les Hunger Games. Donc ce sont des jeux dans lesquels 24 personnes sont envoyées dans une arène pour se battre, et le dernier en vie, bah, il a gagné les Hunger Games. Donc à chaque fois, ils choisissent deux personnes de chaque district, une fille et un garçon de chaque district, pour les envoyer dans l'arène, en fait. Voilà. Donc du coup, le film, le personnage principal, l'antagoniste, c'est ça? L'antagoniste. On dit antagoniste, hein. Non, protagoniste. L'antagoniste, c'est le méchant. Alors, protagoniste, c'est Katniss Everdeen, qui va être choisie justement pour être envoyée dans les Hunger Games, avec Peter Mollark. Donc ça c'est dans le premier, bien sûr il y en a 4, hein, c'est des romans là-bas, enfin il y a 3 romans et 4 films, parce que c'est comme avec Harry Potter 7, le roman Harry Potter et les reliques de la mort, il était tellement gros que ils l'ont fait en deux parties, et bah c'est la même chose avec Hunger Games, le roman était tellement gros qu'ils ont foutu le roman en deux parties, voilà. Donc c'est le 3 et 4, ils sont en deux parties, mais sinon il y a 4 films pour 3 romans. Voilà, et donc du coup, je vous laisse deviner ce qui se passe à la fin. Et c'est excellent en fait, Hunger Games. Il y a vraiment un truc de. Ben, en fait, c'est la survie avant tout en fait. Je sais plus qui c'est qui disait ça. Je sais pas. Non, je sais plus non plus. Ah, ben c'est dans The Last of Us, la survie avant tout. Oui, c'est ça, c'est dans le premier. Ah, mais là, c'est pas de la science-fiction, The Last of Us. Ah, si. C'est un monde post-apo. Ah oui. Ouais, mais c'est... Ouais, si, t'as raison. Eh. Moi, je trouve ça super cool. Et en vrai, faudrait que tu les vois, toi, parce que... Voilà. Ah, je suis pas... Ça, mais je l'ai vu hier après-midi, moi. Je sais pas si ça enfin, je l'avais déjà vu avant, en anglais. Et là, hier après-midi, je me le suis fait en français. J'avais déjà vu le 1, le 2 et la moitié du 3 en anglais, le cas, je l'ai pas vu. Et le premier, je l'ai vu hier en français pour la première fois. Voilà. Donc voilà les amis, c'est la fin de cet épisode sur de rétro-discussion. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà, c'était vraiment cool de tourner un épisode sur la science-fiction. Surtout sachant... l'introduction, attendez, il y a un petit moment quand même. On l'avait mi-août. On est vraiment le 31. On fait vraiment les dernières vidéos à l'arrache parce que beaucoup de vidéos seront tournées en avance pour la nouvelle saison. Étant donné que je reprends les cours, c'est pas comme pendant le confinement ou pendant les vacances, souvenez-vous, je sortais des vidéos tous les jours. Là aussi, il y aura des vidéos tous les jours, mais ça sera pas. Il y aura plusieurs sortes de vidéos. Ça aura pas toujours le même let's play. Il y aura pas Majora's Mask 5 jours sur 5. Voilà. J'ai préparé... Il y aura pas de vidéo le week-end maintenant. J'ai préparé aussi quelques petites vidéos où je parle de 2-3 attractions de Disneyland par exemple. Voilà. Pas que Disneyland Paris, tous les parcs Disney. Alors, elles sortiront sur Wonderland, ma chaîne personnelle, et sur cette chaîne. Voilà, donc on est parti pour une super saison, malgré que les vidéos soient en avance. C'est Jérémy qui s'occupera de poster ses vidéos, c'est moi qui m'occuperai de poster mes vidéos. Il faudra d'ailleurs que tu me passes le mot de passe et puis l'identifiant de la chaîne. Ne t'inquiète pas. Parce qu'on n'est pas. Lui il est à l'internat, moi je suis pas à l'internat et du coup on se verra pas de la semaine, donc du coup moi il faudrait que je poste de mon côté. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Mais on est parti pour un long moment sur cette chaîne, j'ai encore énormément de jeux à vous faire. Jérémy a encore énormément de vidéos à vous faire. Il prépare des trucs de ouf, voilà. Bon bah sur ce les amis, on va pouvoir se quitter là-dessus, j'espère que cet épisode vous aura plu. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager et à liker, à aller voir la chaîne de Wonderland. Il n'y a pas encore de vidéo dessus parce que j'ai... La chaîne de Sony Nintendo bien sûr. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Commandant Retro et Sony Nintendo. Bye tout le monde.